Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thief. Nouvel épisode dans lequel on va continuer tout simplement le chapitre 6, le donjon. Wow. What the fuck? Je disais le donjon. Ok. Très bien. Il y a des gens qui ont l'air relativement peu violents et qui se sont introduits dans... dans le donjon, dans le manoir. Et je ne pense pas qu'ils apprécient... wow. Qu'ils apprécient ma présence. D'accord, ils sont juste ici. Il y en a 3. 1, 2, 3, 4. Encore le toucher d'Orion. Comme si sa foi coulait en moi. Cinq, bien sûr. Il y en a 5. Au moins la vigile combattait à visage découvert. Et 2-1. Un en moins. On va se les faire un à un d'ailleurs. Je n'aime pas fouiller dans l'ombre. Allez, bouge, fais quelque chose. Là-haut, il y en a un aussi. Je dois me concentrer. Non. On va passer par ailleurs. Là, tout est fermé. Ah, j'ai pas envie de passer par là. C'est fermé de toute façon. Ah, ça aurait été un sacré piège en plus, parce que vu que c'est fermé... J'ai trop mal au dos. Voilà. Il y aura pas de vidéo de Battlefield 4 parce que je vais tout simplement pas acheter le jeu. Si je l'achète, ce sera d'occasion dans un petit moment, c'est-à-dire dans plus d'un an peut-être. Je n'aime pas fou. Ou alors quand il sortira en version définitive avec tous les DLC, parce que j'aime pas acheter des jeux alors qu'ils sont... Non, tu n'as rien vu. J'aime pas acheter des jeux. On ne peut pas se jouer des fervents. La lumière empêche. Ok, ne résiste pas. On m'a pas vu, on ne m'a pas vu. Ce n'est pas moi. Oh. Ah, ce guac. J'avoue me surprendre moi-même là. Voilà. Donc qu'est-ce que je raconte, c'est pas Battlefield 4, c'est Battlefield Hardline. Non. Il m'intéresse pas. La bêta était sympa, mais c'était pas ma tasse de thé. Enfin. Voilà. Il n'y aura pas de vidéo là-dessus. Par contre, très bientôt. Ça c'est important. Dans un mois et quelques. The Witcher. The Witch. Ouais, ils ont des têtes bizarres. The Witcher 3 qui va sortir. Et là, je suis désolé, mais on va être obligé de le faire parce que ce jeu risque d'être excellent. Non, ce jeu va être excellent de toute façon. Il n'y a pas à tortiller des fesses. Ce jeu sera de toute manière très très bon. Alors, ça, c'est le capitaine. Je m'arrange pour le neutraliser. D'une manière ou d'une autre. Sachant qu'il y a des mecs partout. Voilà. Oh, il y en a deux. C'est pas le capitaine, c'est juste qu'ils sont énervés.
d'or. Par contre, j'aimerais bien savoir où ils sont les autres parce qu'ils m'inquiètent un peu. Ok, là, il y en a un. Oui. Ah, j'ai rien dit, il y a de l'endurance en fait, il commence à fatiguer mon personnage. Alors là, c'est le stress le plus total. Le stress le plus total. Je n'aime pas fouiller dans l'ombre. Hein? J'ai vu quelqu'un là-bas. Tu n'as rien vu. Dors. Ah, c'était hardcore. Voilà, mais on l'a fait. On lui a volé les bourses. Il y en avait un dernier, il est où ? Bah il est là. Migraine me trouble la vue. Je ne dois pas faiblir maintenant. Pas si près. Et il dort. C'est parfait. Voilà. Donc la partie la plus difficile doit être passée. Hein, ils sont où Lui il avait pas des bourses? Ah si, il a des bourses aussi. Très bien. On a passé un passage des plus difficiles. En s'en sortant très bien. Qu'est-ce qu'il nous raconte là-dessus? Elle est endommagée à tout personnel, baron, et que l'on prenne des mesures d'héritage, blablabla. Le coffre du premier étage, la nouvelle combinaison ayant été perdue. Ah, c'est le coffre que j'ai ouvert de manière gratuite et fortuite. Et tout ce que vous voulez qui finit en 8. Est-ce que je peux passer là-dessous? J'éviterai. Y'a pas un autre passage? Ah. On va essayer de passer par là plutôt. Ça a l'air plus safe. Les drogues ou quoi, le baron? Parce qu'ils ont l'air un petit peu névrosés, les mecs. Genre, ils se plaignent de douleurs au crâne et tout. Y a un petit souci, je crois. Je pense que ces personnes... Mais bien sûr. Alors, les mecs, hein, envahissent un château, enfin un manoir. Et les mecs se ramènent avec des brouettes remplies de feu. Hein, oui, tout va bien. C'est normal. Mais bien sûr. Je sais pas où ils ont appris à envahir des châteaux, mais... Mais ça doit être dans un endroit extrêmement bizarre. Alors... Par où passe-t-on? Par ici. Mais encore. Ah, c'est une bonne question.
Ah, c'est une vraie bonne question en fait, parce que... Peut-être par là? Mais par là, ça va nous mener juste ici. Ah, fichtre. Diantre. J'aimerais bien voir à quoi il sert ce truc. On peut l'enflammer normalement. Alors, qu'à cela ne tienne. Ah bah on peut passer tout simplement ici par là. Garrett, je vais glisser. Voilà, et ça recommence. On commence. Ah bah oui, c'est ici que... Ah bah c'était ici que ça se passait, tout le bordel, le tintouin là, où il y a eu l'explosion et compagnie. Un voleur ne doit jamais retourner sur les lieux du crime. Mais cet endroit m'obsède. Il doit y avoir un moyen de descendre au laboratoire par ici. Oh non. Il est encore là, quelque part. Personne n'est là. Casse-toi. Ah, j'aime pas quand il les fait tomber par terre parce que ça prend trop de temps. Il y a quelque chose de bizarre. Quoi ? Il y a quelque chose de bizarre. Je vais suivre ta piste. Tu m'auras pas. Si tu le dis, hein. Tu dors. Voilà. Très très bien tout ça. L'univers me rappelle un peu celui de The Order. Mis à part le fait que en fait The Order, c'est une Londres néo... Ah ouais, ils appelaient ça néo-victorienne en fait. Hein. Moi je disais à chaque fois victorienne, mais c'est parce que c'est effectivement l'ère victorienne, mais avec des technologies qui sont anachroniques. Donc pour les personnes qui ne savent pas ce que veut dire anachronique, hein, parce que c'est normal, tout le monde ne peut pas tout connaître. Anachronique, ça veut dire qui ne correspond pas à l'époque où c'est présent. Par exemple, c'était une... j'avais, par exemple, vous pouvez... Bah, c'est des systèmes, c'est des choses qui sont utilisées par exemple dans la littérature. J'avais lu... C'était quoi? C'était Cocteau, c'était... Jean Cocteau avait écrit... C'était Ulysse? Non, merde. Oedipe, c'était l'Oedipe de Cocteau. Et en gros, bah, ça se passait en Grèce antique et tout, genre normal, à Thèbes. Oui, c'était à Thèbes. Et parfois, ils utilisaient des téléphones portables. Ou il y avait une boîte de nuit. Mais c'était dans la Grèce antique, donc what the fuck. Enfin voilà, c'est des petits éléments comme ça, anachroniques. Et ça peut servir à différentes choses. Mais encore, je dois passer par où? Je suis perdu. Voilà, là on n'a pas beaucoup d'indications de où aller. Peut-être par là-haut. À moins que je dois enquêter en bas. On va voir. Peut-être ici, non? Non, rien du tout. Par là. Y'a rien. Je suis désolé. Ah bah d'accord, oui. Par ici. Je vais dire, je suis désolé, ça fait des épisodes un peu chiant. Mais bon, c'est le jeu. Nouvelle carte. Passage secret. Oh, je sens le piège à plein nez. Descendre dans le laboratoire. Non, c'est bon, c'est bon. Alors descendons. Très bien. Qu'avons-nous là? Rien de bien intéressant. Hein. Pour l'instant. Là. Un encrier. Les mecs, ils doivent revendre. Mais
À chaque fois qu'il va voler un endroit, il y a 40 encriers qui volent. C'est quoi ça? Cendrier, d'accord. Les cendriers. De la lecture. Pareil, je vous laisse lire. Hein. Le lion représente la famille, blablabla. Vous mettez pause et vous lisez. Comme d'hab. J'ai envie de dire. Et je l'ai dit. Flèche grappin, très bien. Ça veut dire qu'on va peut-être devoir s'en servir bientôt. Des babioles à voler. Voilà le fragment de la pierre primale. Et c'est quoi cette structure autour? Tant pis pour le manuel, je dois la récupérer. C'est le canaliseur. Alors, limite du réacteur. C'est un réacteur. Il est possible d'imprimer une rotation pour faire résonner le fragment, mais celle-ci peut fracturer l'unité de confinement, c'est la fréquence. Blablabla. Tout ça pour dire qu'on peut tout faire péter. Et on va tout faire péter. Chant du cygne. Très bien. Je vous laisse lire. Voilà. C'est fait. Par en bas, par en haut. Il y a deux endroits possibles. On va d'abord voir en bas. Rapport sur les réparations. Il y a beaucoup de documents ici. Hein. D'accord. Beaucoup de documents. On va aller voir en haut. J'ai pas envie de tout faire péter d'un coup comme ça gratuitement. Il y a une fissure dans la glace. Il y a une fissure dans la glace. C'est pas les flèches qui vont m'aider. Non. C'est exact. Alors, on va découvrir comment tout faire. Faire péter. Progrès. Construction du séminaire commencée. Je maîtrise la primale. Blablabla, l'énergie empoisonnée sera contenue. Voilà. Très bien. Est-ce qu'on peut passer là-bas? Ceci était un suicide complètement programmé. Hein? C'était gratuit. Voilà le fragment de la pierre primale. Voilà, donc ceci était normal et gratuit. Tant pis pour Manuel, je dois la récupérer. On a chopé les trucs là. On a chopé les trucs là. Ça on chope. On va choper en haut. Blablabla. Il y a rien à choper en haut. Là-haut, je crois. Très bien. Voilà, on a chopé tous les nouveaux documents. Champ du cygne, de l'industrie, etc. C'est très bien. Maintenant, je sais pas à quoi sert cette machine. Et sans alimentation, ça marche pas. Ah, sans alimentation, forcément. Ben, on va aller alimenter tout ça, j'ai envie de dire. Voilà. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il y a en dessous. Là. Pour sûr, il doit y avoir des choses. D'accord, de l'eau. On ne peut pas passer par là, donc c'est simplement pour voir ce qu'il y a en dessous. Ah là, forcément. Un porte-monnaie. C'est tout. C'est pas grave. Eh oui, Jamy. En réalité, si l'on alimente cette grosse turbine, ça va tout faire péter. Ça s'appelle de la science. Et je raconte de la merde. Oh, ça a pas l'air de kiffer. Je pense que c'est le moment de tout faire péter. Petit souci là.
D'accord, ça la fait descendre. On va la faire remonter. Voilà. Est-ce qu'il y a un moyen d'actionner tout ça? Jean-Pierre, il y a quelque chose que nous pouvons faire. Ah, mais oui, on nous donne une flèche grappin. C'est pour s'en servir, voyons. Allons voir. Oh, un trésor. Souvenir du fanfare. Très bien. Une louche, ça s'appelle pas une louche, c'est une longue vie. Tu peux aussi réapprendre le vocabulaire avec ça, ça se fait. Très bien, maintenant j'aimerais tout faire péter. C'est la flèche. Fissure dans la glace. Ça reste vrai. C'est pas des flèches. C'est pas des flèches qui vont t'aider. Alors, on va essayer tout le temps. Ça marche pas. Ça fait beaucoup de bruit en plus. C'est assez désagréable. Et si on l'éteint? Non. Non, rien. Si on descend. Toujours rien. On cherche, hein, on n'abandonne pas. Alors ici, il y a des chances que ça marche. Des chances de trouver quelque chose. Une chose spéciale à faire. J'ai oublié ça, c'est tant mieux. Voler en éclats. Très bien. Fait tout casser. Tout il est cassé. Juste faire un coup. Ah, c'est parfait, ça le fait tout seul. Allons-y. Le remède. Prenez son sang. Pouille. Très bien. Un point de concentration, ça se met tout de suite. Dextérité. La portée des détections. Combat. Vitesse, c'est bon. Furtivité. Alors, soit tireur d'élite. Et ça, j'en ai rien à faire. Soit dextérité. Et j'achète dextérité. Très bien. Très très bien. Remontons.
C'est qui forcément. Ça? Le maître voleur? J'arrive à un mauvais moment. Pardon, je suis maladroit. C'est que depuis notre première rencontre, j'ai tendance à avoir la jambe un peu lourde. Avant plonger la main des voleurs dans le goudron, Garrett, les mains noires, mais les tiennes, je les veux sur ma chemise. Et bim! Ces égouts doivent mener jusqu'à la rivière sous le pont. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on terminera le chapitre dans le prochain épisode. J'espère que l'épisode vous aura plu. Merci de l'avoir suivi. Et à plus tout le monde!